débat ivoirien. Le débat ivoirien. Le débat ivoirien. Le débat ivoirien. La maison des transporteurs n'appartient pas à M. Smorou. Ça appartient aux acteurs du transport. Donc nous sommes là 24 heures sur 24. Vous pouvez appeler n'importe quelle heure et nous sommes à votre disposition. En fait, la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas encore prête. Les autorités ne sont pas encore prêtes pour qu'on puisse mettre ces réformes en place. Donc il nous faut qu'ils nous donnent au moins un délai de minimum 3 ans pour pouvoir sensibiliser tous les chauffeurs, tous les transporteurs, surtout dans le territoire national. Une sensibilisation, une formation dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire. Pour un délai de minimum 3 ans pour pouvoir remédier à tous ces problèmes qui rajoutent dans le transport. Président, quand on vous écoute, on a comme l'impression qu'on devrait quand même vous associer avant de mettre en exécution ce projet. Vous n'avez pas été associé. Bon, sincèrement, nous n'avons pas été associés avant de prendre ces décisions. Et puis, bon, le ministre est sorti la dernière fois, il a dit qu'il y a eu plus de 200 sensibilisations en Côte d'Ivoire. Bon, nous, les conducteurs, nous, les transporteurs, nous ne sommes pas au courant de ça. Nous ne sommes pas où ces sensibilisations ont été faites. À quand ou en tout cas, nous n'avons pas la date parce que nous ne sommes pas au courant. On n'a pas été associés. Je parle au nom de tous les transporteurs. Nous ne sommes pas contre la réforme. Mais nous n'avons pas été associés à cette décision. Nous ne sommes pas associés à ça. Les transporteurs n'ont pas été invités. On ne prend pas des gens qui se font appeler transporteurs, aller s'asseoir avec eux pour débattre des sujets qui sont très sensibles en Côte d'Ivoire. Le secteur du transport aujourd'hui est le secteur qui emploie plus de personnes en Côte d'Ivoire. Et le véritable problème, c'est que le transport est le poumon de l'économie nationale. Monsieur le Président, quels sont les vrais points que vous dénoncez? Les vrais points que nous dénonçons aujourd'hui, d'abord, pour ces nouvelles réformes, nous voulons une sensibilisation nationale de 3 ans, une formation de tous les acteurs, les partenaires privés et publics associés à ces formations, vraiment pouvoir lutter définitivement contre ces services sur nos routes. Les transporteurs aujourd'hui, vraiment c'est une nouvelle génération qui vient de prendre le relais. D'abord on a commencé à se constituer en entreprise, ça n'existait pas en Côte d'Ivoire. Les transporteurs aujourd'hui sont constitués en entreprise SARL ou SA. Ça veut dire que les transporteurs sont prêts à aller au développement et à l'assainissement du secteur du transport routier. Mais on doit le faire ensemble. On accuse les conducteurs aujourd'hui qui n'ont pas été formés ou n'importe comment, qu'on ne sait pas comment, mais qui a délivré ces permis aux conducteurs? Les permis n'ont pas été fabriqués à la gare. Les permis ont été délivrés par les autorités de la Côte d'Ivoire. Ils se sont basés sur quoi pour délivrer les permis aux conducteurs? Donc il y a une plaie qui est là, il faut soigner la plaie ensemble. On ne doit pas accuser un groupe, un groupe ne pas respecter. Non, c'est tout le monde qui a raison, c'est tout le monde qui a tort. Donc ensemble, trouvons la solution. Parlons d'abord de la sensibilisation des chauffeurs, parlons d'abord de la formation des conducteurs, parlons d'abord de ce qui se passe sur nos routes. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui ravage sur nos routes, les patrons 22 500. Un chauffeur qui fait stationnement quelque part, il est encore dans le véhicule en marche. Un policier vient parer devant lui et lui tend un patron 22 500. 22 500, ça fait... Vous avez été d'accord? Non, nous ne sommes pas d'accord. 22 500 aujourd'hui, là, c'est 40% du salaire d'un Ivoirien, puisque le SMIC est à 75 000. Nous ne pouvons pas prendre 22 500 pour payer une amende, même en Europe, ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays en Occident où on peut dire de prélever 40% de ton salaire pour payer une amende. Ça n'existe pas. C'est le montant qui pose problème ou bien c'est la manière de faire des agents qui vous pose problème? Il y a la manière et il y a le montant. Le policier ne respecte pas le conducteur. Le policier ne respecte pas le transporteur. Le policier et le gendarme ne respectent pas les acteurs du transport. Pourtant, c'est eux qui tiennent aujourd'hui l'économie nationale. Il faut qu'on les respecte. Il y a la manière d'abonner les conducteurs. Et mais il y a le montant qui est véritable de 2500. Donc nous, aujourd'hui, nous demandons que ces patrons de 2500 à cette augmentation. Merci bien. Président, juste une préoccupation. Nous avons aussi appris que lorsque des policiers vous délivrent des contraventions, arrivés au trésor, le trésor ne reconnaît pas ces papillons-là. Oui, ces papillons 22 500 ne sont pas reconnus au trésor. Expliquez. Quand tu envoies au trésor pour payer, le trésor ne reconnaît pas. Comment est-ce que ça s'explique? Explique. Après, il y a la préfecture de police. Et ah bon? C'est pas au trésor? Bon.
c'est la question que nous sommes soulevés. Puisque le tribunal ne reconnaît pas ce patron de 2005, sinon nous prenons ça à la procureure. Ce n'est pas normal et le montant est très élevé. Il faut que ce patron de 2500 passe à cette voie. C'est la voie des transporteurs. Merci. 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 Merci.